La petite soupe. La petite soupe. On est heureux. La petite autoroute, la petite soupe, le petit sandwich. Mais qui fait ça? D'aller courir sous la pluie. Il finit dans 15 minutes. Je sais même pas pourquoi je cours. J'en ai marre en fait. J'ai pas envie. Pourquoi? Je me suis tapé une déterre tout à l'heure. Mais en fait, je crois que j'ai pas la force mentale aujourd'hui. Donc, on va faire demi-tour. Et je rajouterai, comme dirait Cathy, tout est dans le mental. Sauf aujourd'hui, il n'y a pas de mental. Il n'y a rien. Il y a juste les gens qui fonctionnent. J'ai pas envie. Donc, parfois, faut s'écouter. Là, j'ai envie de m'écouter. Donc, back to home. Plus qu'un kilomètre. Allez, on tient. Coucou tout le monde. On se retrouve pour le premier face caméra de ce vlog du mois de février. J'ai décidé, littéralement sur un coup de tête, de me dire... C'est bon, janvier ça m'a saoulé, j'ai quasiment pas réécrit Komorebi, j'ai dû faire quelques chapitres, bah oui je m'étais arrêtée au chapitre 8, ça m'a énervée donc je me suis dit février, année se reprend en main. Et c'est parti, je vais vlogger donc pour continuer ma réécriture de Komorebi et étrangement, et bah ça marche. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que je suis dans une bonne vibe en ce moment. Et j'ai vachement envie de me plonger dans mon univers, de retrouver mes personnages, de travailler mes textes. Pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite. Notez bien ça parce que je ne le dis que très rarement. Blague à part. Depuis le début du vlog, j'ai réécrit le chapitre 8, 9, 10, 11 et 12. Hier, j'ai réécrit le 12. J'ai pas forcément modifié énormément de choses avec le recul. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a certains chapitres qui n'arrêtent pas de bouger. Et c'est notamment celui où Ambre est chez Tho. Vraiment, tout le temps, lui, il a eu au moins 5-6 versions différentes. Et à chaque fois, il se passait quelque chose d'autre dans une autre pièce. Vraiment, j'ai dû faire toutes les pièces de la maison. c'est vraiment super drôle dit comme ça. Mais à la fin ça me gonflait quand même de devoir tout recommencer à chaque fois. Et là je suis contente, je l'ai fini hier. Et en plus dans un café. Parce que j'avais un petit café que j'aimais fréquenter quand j'étais en première année. Parce que j'avais un gros creux à cause d'une matière.
quand on était en demi-groupe, et du coup j'allais dans ce café-là pour avancer sur l'écriture. Et hier, j'y suis retournée, je me suis donné un peu un coup de pied aux fesses parce que c'est vrai que j'aime bien mon petit confort chez moi et être en pyjama tranquille. Bon, la réalité est tout autre en fait, j'aime être chez moi pour me vautrer en pyjama. Mais vraiment, ça m'a trop fait plaisir, cette ambiance, me faire plaisir avec un thé que d'habitude je ne prends pas chez moi. Et puis vraiment me dire je suis là, j'écris et c'est tout en fait, genre vraiment, je n'ai fait que ça. Et j'ai pu faire 2 chapitres, donc terminer le 12 et entamer le 13, donc... Je suis trop contente pour ça. Super contente pour l'instant d'avoir pu réécrire 5 chapitres en 10 jours. Je ne suis pas du tout dans la comptabilité au niveau des mots, au niveau de la rapidité aussi. Pas du tout. Je dis juste que là, j'étais vraiment contente d'avoir pu un peu mettre un petit coup d'accélérateur. Parce que quand t'as l'impression de ramer, c'est vraiment plombant au niveau du moral. Et en plus, j'ai pris vraiment conscience... que cette question en fait de publication me minait vraiment beaucoup, et notamment en papotant du coup avec mes copines du BTS. Mon moteur c'était plus j'ai hâte en fait d'imprimer mon livre fini et de pouvoir l'offrir à mes copines, que ce soit mes copines de BTS, mes copines d'écriture et du coup aussi toutes mes bêta lectrices, parce que elles vont faire un travail de dingue dessus, j'en suis certaine. Et vraiment ça, je sais pas pourquoi, mais ça me met vraiment des paillettes dans les yeux. Et voilà, je suis toujours impatiente et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, Anaïs. Mais j'ai vraiment très très hâte de pouvoir l'imprimer. Sinon, comme vous avez pu le voir, c'était une semaine banalisée où on a fait pas mal de sorties avec le BTS. On était censé faire un voyage de fin d'études, mais ça ne s'est pas fait au niveau financier. Donc on s'est retrouvé à faire plein de petites sorties plus ou moins particulières, disons. Mais en tout cas, c'était une semaine quand même assez blindée et j'avais très très peur de pas avoir le temps d'écrire. Mais finalement, j'ai quand même réussi à dégager un peu de temps. Je vais voir à la suite comment ça va se passer, parce que les 2 semaines à venir là vont être un petit peu aussi quand même chargées. Et après, ça sera quand même les vacances. Et pendant une semaine, il y a Morgane qui vient chez moi. Donc je suis trop 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 contente. Ça va vraiment me booster en écriture et tout. On va pouvoir se soutenir mutuellement dans nos projets, dans nos manuscrits. On va même pouvoir papoter genre pendant 4 heures, parce qu'avec Morgane c'est toujours comme ça. Et genre j'ai beaucoup trop hâte et ça va être tellement bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de dessiner un petit peu avant de me mettre à écrire le chapitre 13. Enfin, réécrire. Je l'avais déjà un peu commencé hier et il ne me reste pas grand-chose, je pense. Mais le problème, c'est qu'il est un peu long. Enfin, je trouve qu'il est un peu long. Il y a quand même pas mal de choses à décrire, que ce soit au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance. Et il y a plusieurs rencontres. C'est dans ce chapitre-là où elle rencontre vraiment Cathy, Mizuki et puis après Ebony. Et ensuite Lysander. Donc vraiment ce chapitre là, il y a tout le monde d'un coup. Je sais pas si ça fait trop. J'avais trop envie en fait de mettre tout le monde là-dedans. Donc en fait, comme une fois de plus j'écris pour moi, je pense que en fait je vais quand même laisser ça comme ça. Voilà. Donc je vais dessiner un petit peu, après j'irai écrire. Et ce soir on regarde un film avec ma sœur et j'aimerais pouvoir terminer ma page 5 de ma BD. Ça, ça m'énerve, ça va être en même temps un vlog BD. En fait ça va être un vlog un peu de création on va dire, parce que je vais faire aussi plein de petits trucs, je vais pas forcément que écrire. Mais c'est vraiment encore une fois pour garder une petite trace en fait de ma vie, de mes 21 ans. Voilà, quand je serai vieille, je retomberai sur YouTube si cette plateforme existe toujours. Et puis je me dirais, oh Anaïs, tu faisais ça à l'époque, waouh. Par rapport à ma BD, je suis arrivée à la page 5 sur 7. Et je traîne depuis super longtemps dessus. Bah depuis début février, je suis sur la page 5 et il y a 3 cases dessus. Et je sais pas pourquoi, j'avais une montée vraiment de hype par rapport à la BD. Et j'ai l'impression que là c'est Komorebi qui a pris le dessus. Et du coup la hype de la BD elle a disparu. Donc vraiment find the balance là, moi l'équilibre dans tout ce que je fais, jamais j'y arriverai en fait. Genre c'est soit je fais un truc à fond, soit après c'est un autre truc, mais j'arrive jamais à... voilà, c'est l'histoire de ma vie quoi. Et pareil ça, j'ai trop hâte pour ma BD aussi de passer à la couleur, parce que je commence à en avoir un peu marre. De faire que le line art, c'est fatigant de chercher à faire des poses de certains personnages. En plus je me suis lancée dans de la perspective vue de haut,
des personnages qui arrivent, genre Laëlin et mais oui, parce que truc de ouf, mais dans ma BD ça me vient maintenant que j'y pense, mais j'ai mis un de mes personnages de Komorebi, j'ai mis Ebony. Genre Ebony en mode petite, parce que les deux petites filles là, elles sont en primaire. Du coup ça me fait trop plaisir de pouvoir insérer ce petit clin d'œil que seul bah du coup moi-même pourra comprendre. Elles arrivent vues de haut comme ça. Et je me suis dit, mais what, Anaïs, t'as déjà du mal à faire un calcul tout simple, tu te lances dans de la perspective. Très mauvaise idée. Donc j'ai laissé cette case, je l'ai abandonnée. Je reviendrai dessus bah, tout à l'heure, en espérant qu'il y ait un nouveau plan, un nouvel angle qui est germé en fait dans ma tête. Mais voilà, c'est pas une partie de plaisir cette page 5, et j'espère que les deux autres pages seront beaucoup plus agréables. Oh, j'ai trop hâte de passer à la couleur. Thank you.
se retrouve pour un petit update rapide. Nous sommes le samedi 17 février. Et la fin de février approche très bientôt. Et donc la fin aussi de ce vlog, accessoirement. Côté écriture, je suis arrivée au chapitre 15. Et hier, j'étais allée dans un café, du coup, mais mon petit café habituel, quoi, mais j'ai pas écrit, j'avais pas envie. On venait de passer la certification Pix, ça m'avait pris la tête, ce truc, pour pas grand-chose, au final. Et du coup, je me suis dit, je vais dessiner. Donc, j'ai dessiné. Pour moi, c'est jamais une perte de temps, de toute façon, globalement. Mais là, c'était vraiment centré sur Komorebi. Et j'ai bien avancé une partie sur l'école, du coup, donc l'académie de Nelumbo. Et franchement, ce matin aussi, pareil, je me suis mise vraiment à fond. Et j'ai une petite liste, en fait, de choses vraiment sur des petits points sur lesquels je veux éclaircir. Je suis contente, là, parce que les idées, ça va bien, donc je suis trop trop contente quand ça fait ça, c'est trop cool. Ce week-end, je vais pas forcément énormément écrire. Mon but, là quand j'ai fait mon petit programme, je fais des listes le week-end, voilà. C'est très intéressant ce que tu racontes. Mais je me suis juste dit, je vais écrire le chapitre 15, enfin du coup le réécrire, mais il y a pas mal de choses qui vont bouger parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'allait pas du tout au début par rapport à l'académie. Et surtout, finir la page 5. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'avais fait un update, je crois que c'était il y a un peu plus d'une semaine, je n'ai toujours pas fini la page 5. Hein, voilà, pour tout vous dire, j'ai fait le croquis rapide de la dernière case et c'est très moche, c'est... Bref, tout est à refaire. Cette page, mais je vais être contente de l'avoir finie et après il m'en restera plus que deux, regarde, des gros guillemets. J'ai très hâte de passer à la couleur, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment les choses impératives pour le week-end et bien évidemment, les devoirs. Donc je vais essayer d'avoir un week-end, on va dire, productif, entre guillemets, même si, on va pas se mentir, ça me... Enfin, avoir cette idée en tête de « il faut que je fasse ça », bah, j'ai la flemme, j'ai envie de rien faire. je me motive, je vais faire tout ce qui est devoirs. Et parce que voilà, comme je viens de courir, ça va, j'ai un peu de... Enfin, le cerveau est plus réveillé, mais je me suis tordu le pied sur une racine. Et du coup, bah là, j'ai de la glace sur le pied. Faites bien attention quand vous faites du sport, voilà. Faites pas comme moi à manquer de vous casser la gueule comme ça, juste à cause d'une racine. Lundi, j'ai pas cours parce que j'ai qu'une seule matière avec une seule prof et la prof en question n'est pas là. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir... En fait, c'est pour ça que je me mets à fond là ce week-end dans les devoirs. Comme ça, je me garde ma journée du lundi pour faire que des trucs que j'aime. Genre, je vais aller à la piscine et après, je pense que je vais aller dans le... Bah, encore dans mon café. Et là, cette fois, je vais écrire du coup le chapitre 16 ou voilà, ce qui vient après en fonction du feeling. Et voilà, j'aurais envie aussi de customiser enfin mes nouvelles chaussures. Donc ça aussi, pareil, je vais essayer de le faire le lundi après-midi. Voilà, sur ce... On va retourner aux fiches situation cette fois. C'est pas destination, c'est situation. Waouh, ça vous hype, hein? Moi aussi.
savoir un truc de ouf, c'est que depuis le début de ce vlog, mon objectif c'était de finir la page 5. Vous savez quoi? Je n'ai toujours pas terminé la page 5. Comment ça m'énerve en fait de me dire que j'ai un truc à finir et que bah je l'ai toujours pas fini. Logique. Vraiment là, je me suis posée avec un thé, de l'eau, tout, genre je suis confortable là, vautrée comme d'habitude. Et il faut que je la termine là aujourd'hui pour pouvoir passer à la page 6 le reste de la semaine et tout, parce que déjà d'une part je serais trop frustrée durant tout ce vlog d'avoir juste dit oh faut que je termine la page 5, faut que je termine la page 5, j'ai toujours pas terminé la page 5. Enfin, donc là je suis rendue à l'avant-dernière case, voilà, donc sur toute la page. Il n'y a pas tant de cases que ça, je sature moins maintenant mes planches. Et là, je suis en train, du coup, de passer au propre de ce brouillon qui a été une pose hyper difficile à dessiner. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un court, le bras qui est en avant, c'est le contraire, enfin, c'est la jambe opposée qui est en avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, vu qu'elle est élevée, la jambe là... attendez, on recommence. Vu que ma gauche et ma droite, mon Dieu. Vu que le bras droit... élevé, c'est la jambe gauche qui se lève. Et du coup, vu que la jambe droite est baissée, et ben c'est le bras gauche qui est baissé. Donc bref, sinon ça fait un truc trop bizarre dans la pose. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. C'est un truc qui cloche, on se dit bah pourquoi. Et ben en fait, c'est juste ça. Donc bref, c'était la petite analyse du moment. Et vous savez qui c'est cette personne? Je pense que je vous ne l'ai pas dit. Mais si, je vous l'ai dit, c'est Ebony Bebou. Elle est trop mimes. Donc voilà, donc j'en suis rendue là. Là c'est chiant, il va falloir que je fasse un plan de travaux, parce qu'en fait ça fait partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des travaux pour construire une autoroute, et ça ne plaît pas à cette madame, forcément. N'est-ce pas Laïlin? C'est la panique, hein. Bref, j'arrête de jouer à faire une muse avec le zoom, là. Et voilà, et la dernière case, du coup, c'est Laïlin, là, du coup, qui part avec son vélo. Position très compliquée aussi à faire. Bon, voilà. Ça, je vous aurais un petit peu montré ce qu'il y avait dans ma BD. Ça laissera une petite trace pour si jamais après je deviens célèbre. Et grâce à elle, pas du tout. Mais bon. Allez, faut que je me tape une déterre. Allez, allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Je sais pas si j'aime, ça fait très manga, enfin je sais pas trop comment dire, mais je sais pas, voilà, bon, bah je sais pas, donc j'arrête. Je suis toujours sur le chapitre 15 que j'arrête pas en fait de remanier, et en fait à chaque fois je remonte et je trouve forcément un truc à corriger. Et en fait j'ai remarqué que comme c'est la rentrée et que Ambre découvre l'académie, elle la découvre de manière bizarre, parce que quand tu vas à l'école normale, bah tu vois juste genre des gens qui parlent, qui sont à la limite sur leur téléphone. Or là, y a pas de téléphone, mais on est censé maîtriser la magie quand même, hein, Anaïs, voilà. Et en fait, je ne parlais absolument pas de ça. Et ça, c'est vraiment un gros problème, j'ai remarqué dans les textes que j'écris. C'est que pour moi, comme c'est logique, et bah je pense pas à le faire ressortir. Seulement, Ambre, c'est la première fois qu'elle voit des gens, enfin...
pas vraiment la première parce qu'elle a déjà vu, je peux pas dire, mais elle a déjà vu une personne maîtriser bizarrement quelque chose. Et là, en fait, bah normalement, les élèves sont censés un peu s'éclater avec les éléments. Parce que moi, c'est une magie élémentaire, donc avec le feu, l'eau, l'air, la terre, sans blague à nez. Et j'avais pas du tout mis ça, en fait, en valeur, et je trouvais ça bête. Donc là, j'ai un peu revisité le truc, et vraiment, elle va débarquer, en fait, dans le hall, parce qu'il y a un grand hall avec une verrière immense et un arbre au centre immense, et elle va d'abord être absorbée, on va dire, par l'arbre, et après elle va quand même voir en fait des étudiants qui sont en train en fait de s'amuser avec leur pouvoir quand même, parce que à l'école ils ont le droit de les maîtriser tant que bien sûr ça ne blesse personne, hein. Voilà, il y a un règlement quand même, faudrait que je me penche peut-être sur le règlement. Qu'est-ce que je suis brouillonne, bah c'est pas grave. En tout cas, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Je suis bien partie pour, et on se retrouve juste après pour un débriefing de ce que j'en pense. Ta-ta-ta. Pas du tout update en fait, parce que hier je vous ai dit ouais, on se retrouve après pour faire un petit débriefing sur le fameux chapitre 15, mais en fait je n'ai pas terminé de l'écrire, j'y ai passé quand même plusieurs heures, genre 3 heures dessus, pour au final je me suis rendu compte il y a plein de trucs qui allaient pas, j'étais en train de l'écrire, ça ne va pas, enfin de le réécrire, tu le sens quand il y a un truc qui va pas, et là je sais pertinemment qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, donc c'est pas grave, je suis rentrée aujourd'hui de cette journée qui était bien longue. Et on va du coup la finir par une belle soirée écriture. Là, je fais une petite commande. Voilà, je cache un petit peu le visage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc on va boucler ce chapitre 15 aujourd'hui. J'ai envie. Et demain, c'est les vacances. J'ai trop hâte. Et comme d'habitude, petit rituel du vendredi, je vais aller m'installer dans le petit café. Et j'aimerais du coup commencer le chapitre 16. Pourquoi pas le finir, mais du coup je vais pas m'avancer vu ce qui s'est passé avec le 15. Et mais quoique le 16, je pense que ça ira un peu mieux parce que c'est une espèce de discussion avec Ewan. Voilà, donc sur ce, et je vais retourner à mes petites commandes, peut-être un petit peu avancer mon site et faire un petit peu de montage de ce vlog, et puis après on ira écrire. Finalement, je suis grave contente du rendu. Alors, c'est pas du tout terminé, mais je trouve que finalement, ça fait une belle vibe. Ah, j'aime trop, je suis trop contente. Et la deuxième, du coup, là, j'ai commencé à faire Chihiro avec Apu. Elles sont trop belles, voilà, donc je suis trop contente. On se retrouve une fois de plus pour un update. J'arrête pas d'en faire, je trouve, dans ce vlog. Mais écoutez, voilà, faut suivre ses envies. Aujourd'hui, j'ai terminé le chapitre 16 que j'avais commencé... Ouah, les nœuds...
que j'avais commencé hier au café. Ça m'a trop fait du bien, surtout que c'est les vacances. Yeah, je suis trop contente, Et lundi, il y a Morgane qui arrive. Ça va être génial, on va passer une semaine trop bien, voilà, je le sais d'avance. Et du coup, j'ai quand même continué un peu ce chapitre 16 ce matin. Je l'ai bouclé tout à l'heure. C'était la fameuse scène avec la scène discussion entre Ambre et Ewan. Et j'avais fait une illustration de eux tous les deux en train de... Bah, de discuter. Oh, purée, et ça sert à rien de faire des updates si j'arrive pas à trouver mes mots, en fait. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'ai changé le lieu. En fait, c'est vraiment un délire chez moi, c'est je change les lieux au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, en fait, je les dessine et je les visualise mieux. Et du coup, je peux me permettre, en fait, de me balader dans la maison. Et donc, cette fameuse discussion a lieu dans la chambre de Ewan. Et je suis fan, comme vous savez, des chambres. Voilà, ça, c'est vraiment mon péché mignon, on va dire. Je ne sais pas si ça s'adapte, en fait, aux objets. Mais en tout cas, pour moi, les chambres, c'est... Ah, j'aime trop. Et j'avais déjà dessiné sa chambre. Et vraiment, j'ai trop envie de me refaire, en fait, l'illustration, de la réactualiser et tout. Donc, non, il faut écrire Anaïs. Là, tu n'as que 16 chapitres. L'objectif de mon vlog, c'était d'arriver au chapitre 25. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais entamer le 17 demain. Voilà, je sais pas, je ne veux pas me forcer ou quoi, mais j'aurais bien aimé quand même dire oh vas-y, je suis arrivée à la moitié, ça serait cool. Et une fois que je suis arrivée à la moitié, je fais un retour en arrière pour tout relire et tout repasser, parce que j'ai pas vraiment très bien relu le 16 là. En plus, c'est plein de morceaux de micmac, de discussions que j'ai repris de plein de premiers jets différents, parce que du coup j'ai deux premiers jets différents, et il y a plein de petites touches, de petits éléments et tout que je voulais mettre. Du coup, ça fait un peu fouillis, et peut-être que du coup c'est incohérent quand on lit tout à la suite, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais je verrai ça après. Pour l'instant, je me concentre sur mon avancée fulgurante, pas du tout. Et aussi, je suis trop contente, mais peut-être que je l'ai dit dans un autre update, je ne sais plus. Mais j'ai fini la page 5. Bravo moi. Non, je suis trop contente parce que j'en pouvais plus de cette page. Et j'ai commencé hier soir la page 6. Par contre, j'ai vu qu'il y avait à voir un dessin qui allait être chiant. Des machines de travaux. J'irai trouver une photo référence super rapide. Je m'en fiche si ça correspond pas du tout au type de travaux, c'est-à-dire une autoroute. Tant pis, et je mettrai ça comme ça. Et ça passera, parce que j'en ai marre. Les trucs comme ça, ça, les bâtiments. Franchement, non, je déteste, j'aime pas. Thank you.
Waouh, j'ai failli marcher dessus. Date vidéo, on est le 2 mars. Je sais que ce vlog était normalement fait que pour février, mais je suis plus du genre à compter en semaines. Et comme on est encore dans la première semaine des vacances, je compte bien terminer ce challenge. J'arrive pas à parler. Je disais que je compte bien terminer le challenge que je m'étais fixé pour cette vidéo, c'est-à-dire d'aller jusqu'au chapitre 25 et de clôturer du coup cette, on va dire, réécriture intensive. Même si évidemment je vais continuer après, peut-être pas sur le même rythme, ça dépendra. Mais en tout cas, Morgane vient de partir ce midi, voilà, donc je me retrouve toute seule. Face à mon ordinateur et j'ai pas envie. En vrai c'était trop bien parce que à quel point en fait avoir des copines d'écriture c'est incroyable. Et après c'est vrai qu'on disait avec Morgane, ça fait même pas un an qu'on s'est rencontrés, puisque pour la première fois c'était quand j'étais allée la voir à Villefranche en dédicace, et c'était littéralement il y a un an, c'était le 18 mars et j'avais fait aussi un vlog. Et à la fin, j'avais posté un peu les photos qu'on avait prises parce que j'ai pas du tout vlogué, voilà. Et vraiment, on a super bien avancé. Je pensais pas qu'on allait avancer chacune comme ça dans notre écriture. Donc moi toujours sur Komorebi et elle sur LRDM. Ouais, j'ai eu le droit à des révélations, je suis trop contente. Je suis trop hypée, donc j'ai trop hâte qu'elle m'envoie ça. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message très rapidement pour qu'elle y pense quand même. Je suis allée consulter en fait l'historique de mes stories parce que je savais plus où je m'en étais arrêtée. Mais j'ai réécrit 4 chapitres, je m'étais arrêtée au 17, voilà. Et depuis que Morgane est venue, je suis arrêtée jusqu'au... Enfin, je suis allée jusqu'au 20. Je l'ai entamée aussi ce matin, donc je compte bien... De terminer là, faut juste que je me bouge les fesses. Mais en vrai, ça m'a tellement reboosté en fait d'en parler avec elle. On s'est dit plein de trucs, plein de révélations et tout. Et en vrai, ça fait trop plaisir parce que moi, ce que je pensais, c'est que moins t'en disais, plus ça hypait. Et sinon, après, tu perdais un peu l'envie de lire le livre. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, plus t'en sais et plus en fait, t'as envie de découvrir en profondeur le truc. Donc, je trouve ça incroyable et je suis trop contente de sa réaction quand je lui ai dit avec qui Ambre allait finir. Voilà. Donc, sur ce, eh ben, je vais aller me mettre à mon chapitre 20 et je compte bien le terminer. C'est parti! Bien sûr, on s'en doutait un peu, mais je m'étais dit que je me poserais toute la journée le dimanche pour pouvoir écrire jusqu'au chapitre 25, et je ne l'ai pas fait. Je me suis juste installée le soir, et je me suis dit que, bon, mon objectif était déjà pas mal rempli, et franchement, ce vlog m'aura motivée tout au long du mois de février pour avancer sur mon manuscrit,
Et je suis vraiment trop trop heureuse, en plus d'avoir passé du temps avec Morgane. Komorebi continue d'avancer, petit pas par petit pas, mais même si c'est lent, j'avance quand même. Donc, n'oubliez pas, les petites avancées font toujours progresser. Et puis sur ce, écrivez bien, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.